Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ETS2. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo pour la présentation de la mise à jour 1.25. Voilà, comme je vous l'ai dit et comme vous avez pu le voir dans les trois vidéos sur le multi d'ETS2 donc qui sont sorties précédemment, je vais reprendre un petit peu la vidéo commentée sur ETS2. Et donc là, on est parti, nous sommes en solo. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes avec un DAF XF Euro 6. Voilà, ainsi qu'une petite remorque. Logwin, qui est très joli d'ailleurs, et on est à l'entreprise Deray. Alors pourquoi avoir pris ce DAF Euro 6? Écoutez, eh bien tout simplement, ouh, il y a des petits bugs de texture là dans le bâtiment d'en face. Tout simplement parce qu'il a été un peu retravaillé pour la version 1.25. Écoutez, notamment au niveau des détails, hein, c'est surtout des détails qui ont été modifiés. Voilà, écoutez, donc du coup, voilà, je tenais à le prendre, et en plus. Bah, je l'ai un petit peu modifié, j'ai mis le petit skin limited edition et tout qui est vachement cool. Et hop, attendez, bougez pas, je replace juste ma souris. Et je trouve que ça lui va très très bien. L'intérieur aussi a été un petit peu modifié. Et maintenant, avec cette mise à jour 1.25, écoutez, on peut ajuster le volant. Et d'ailleurs, en parlant de volant, regardez ce que j'ai rajouté. Ça, c'est un truc qui est venu dans une mise à jour précédente. Écoutez, on peut rajouter un petit pommeau, tout simplement pour tourner le volant. Donc, comme je vous ai dit, on peut aussi régler le volant, mais bon. Moi, voilà. Je trouve pas ça super pratique. Bon, c'est cool, mais bon. Enfin, super pratique, super utile surtout. Moi, je m'attendais plus à un truc, mettons, quand on coupe le moteur, le volant se baisse, etc. Mais bon. C'est pas bien grave. Du coup, voilà. Alors, apparemment, aussi sur cette mise à jour 1.25, on pourrait sélectionner nos types de remorques. Mais bon, ça, je suis pas encore vraiment sûr. Tout simplement parce que. J'ai pas encore testé et vu que j'utilise des remorques modées, parce que là je suis avec le pack de JazzyCat, et bah on n'a pas cette possibilité. Alors j'aimerais juste regarder un truc. Écoutez. Clavier bouton s'il te plaît. Ce serait pour faire cette histoire de zoom, puisqu'on nous avait parlé qu'on pouvait faire un zoom. Putain, c'est pas possible cette souris qui passe dans l'autre page. Zoom, zoom, zoom. Caméra auto. Ta-ta-ta-ta. Rotation de la caméra, zoom. Écoutez, je sais pas du tout comment on fait un zoom, mais apparemment on aurait la possibilité zoom de la caméra intérieure. Voilà, donc on va mettre, mettons, clic droit, enfin bouton droit, et donc là normalement, voilà, on peut faire des petits zooms. Voilà, c'est une chose qu'on n'avait pas avant et qui est bien cool. Écoutez, c'est assez cool d'avoir permis cette possibilité. Du coup, écoutez, bon, cette souris me fait chier parce qu'à chaque fois elle passe sur le deuxième écran, donc quand je glisse sur la molette, écoutez, ça me fait descendre ma page. Bon, sur ce, écoutez, on va y aller, tranquillou. Alors, petite présentation du trajet quand même, nous sommes sur la ProMode, écoutez, qui a été récemment mise à jour d'ailleurs pour cette version 1.25. Donc voilà, petite ProMode. Alors, on essaiera d'aller se balader un petit peu par là, c'est vrai que je le fais pas trop, mais bon. Pour l'instant, on reste un peu en France. Mais prochaine fois, vous inquiétez pas, on essaiera d'aller un petit peu plus par là-bas. J'aimerais juste qu'on redescende un petit peu sur l'Espagne. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Parce qu'on n'est jamais allé en Espagne. Donc là, regardez, on descend sur Toulouse. Et puis ensuite, on ira un petit peu vers l'Espagne. Ensuite, alors, pourquoi pas rester sur cette partie solo. Et à chaque fois, essayer de se balader à droite à gauche plutôt que de me téléporter, voilà. Peut-être qu'une fois qu'on sera en Espagne, hop, on repassera par Lyon. Et ensuite, on ira un peu plus vers les pays de l'Est. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais bon, nous on va partir parce que sinon, on n'est pas rendu. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes à Orléans. Hop. Nous sommes à Orléans. Hop. Parfait. On est à Orléans et... Et c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Et on va à Toulouse. Ah oui, et au fait, on transporte des fleurs. Voilà, alors aussi, j'ai un petit mode graphique. C'est un mode graphique summer, je sais pas quoi. Mais en gros, ça... Si vous voulez, ça rajoute de la végétation. Et on a un temps qui est estival. Bon, aujourd'hui, il y a un peu de nuages, mais voilà. Voilà, voilà. Hop. Allez. Parfait, on est parti. Alors, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à ETS2. Donc ça me fait plaisir de vous présenter cette petite vidéo. Hop, allez, on va mettre notre petit régulateur à 4... Ah, c'est 80 ici, d'accord. Hop. C'est bizarre, j'ai pas vu un panneau de... Fin de ville. Assez étrange, tout ça. Alors, du coup, on va emprunter l'autoroute à, je ne sais pas combien, à 10. Je dirais à 10, mais ça doit pas être ça, à tous les coups. Je sais que la A10, elle fait Paris-Orléans, un truc dans le genre. Donc, je sais pas si on va encore redescendre sur la 10. On va bien voir, écoutez.
On va bien voir, voilà, là on sort bien d'Orléans. Ah, par contre, le bonhomme veut qu'on fasse une pause, c'est pas cool ça. C'est pas cool, mais du coup on va être obligé d'en faire une. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une pause ici? Est-ce qu'il y a une petite possibilité? J'ai pas l'impression. Bon bah tant pis, écoutez, hein, on verra plus loin. Hop. Parfait. Prends un petit ticket. Alors, pour la prochaine fois, je pense que je lèverai ce gros truc sur le volant, mais c'était juste histoire de vous le montrer en fait. Tout simplement. Regardez-moi ces petites fleurs. C'est magnifique. On va prendre une petite photo, regardez même. Hop, voilà. Comme ça, je prends la photo maintenant et puis ensuite on n'est plus embêté. Après, waouh! C'est vraiment super joli. Alors, attendez. Tout est bien sympa à pivoter la caméra. Voilà. Allez. Je sais pas trop comment. Voilà, prendre la photo en fait. On va la prendre comme ça, écoutez. Hein. C'est un peu moche avec les trucs derrière, alors attendez. Attendez, attendez, ne bougez pas. Hop, voilà. Plutôt la faire là. Voilà. Oh, bah sinon, on peut la prendre comme ça, tiens. C'est cool aussi comme ça. Ouais, quoi qu'on a encore le péage. Ah, peut-être que comme ça, ce sera mieux. On voit plus les fleurs du coup. Ah, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. Parfait. Allez, hop. On est parti, écoutez, alors, quelle autoroute, quelle autoroute? Eh bien, A71, je me suis trompé, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Allez. On est parti tranquillement, alors ça fait un bout de temps que j'ai pas roulé sur la promode. Enfin, ça fait tout simplement un bout de temps que j'ai pas joué à ETS 2 en solo. Donc là, ça fait plaisir de reprendre, écoutez. Surtout avec cette petite promode et la modélisation de la France qui est juste excellente. Ça fait vraiment plaisir. Allez, hop. On va ralentir un petit peu quand même. Hop. Parfait. Allez. On est parti. Alors là, j'ai l'impression qu'on est un peu bloqué à 30 FPS à cause de Action. Ah, on n'a pas besoin de se rabattre. Donc je verrai ça un petit peu plus tard. Écoutez, je vais réenregistrer avec Shadowplay, je pense, tout du moins pour ETS2. Par contre, il m'embête un peu lui avec sa voiture, puis qu'il avance pas. Ça te dérangerait de passer sur la voie de droite? Ah, merci. Merci monsieur. Parce que nous on roule, hein. On roule, mine de rien, là. On a un peu de kilomètres à faire quand même. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? C'est quoi ces gens là qui se mettent sur la voie de... De gauche? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Il y a complètement pas tout là. Est-ce que tu pourrais te... Mais c'est... C'est quoi ça? Dans quel monde sommes-nous? Ah ça y est, il réaccélère. Hop. Parfait. Allez. Hop. 90. On est parfait. Les petits panneaux français, écoutez, qu'on aime bien. C'est nickel. Alors bon, j'ai un peu décoré mon DAF, hein, tout le moins l'intérieur un peu rapidement, voilà, donc bon, c'est pas très joli, mais bon, ça fera l'affaire. Écoutez, d'ailleurs, j'ai peut-être obligé de mettre des rideaux, ouais, j'ai oublié de mettre des rideaux sur les côtés. Hop, allez, on va juste faire notre petite pause, sinon je pense qu'on va perdre le chauffeur, c'est-à-dire moi. Hop, petite station, Lukoil, Lukoil, je pense, truc qu'on n'a pas en France. Hop. Mais bon, vu que les stations sont disposées un petit peu aléatoirement. D'ailleurs, vous aurez tous les liens dans la description hein, si ça vous intéresse. De tous les modes que j'utilise dans cette vidéo. Hop. Hop. Nickel, on est reparti. Bon, cette fois-ci c'est de nuit. Un peu dommage, enfin bon. Il est sympa le petit DAF comme ça. J'ai oublié de mettre ça. Hop. Il est sympa le petit DAF. Ah ouais non il est vraiment cool et puis la remorque est vraiment super jolie aussi. Je trouve vraiment la remorque sympathique. Allez. En tout cas ce petit mode summer là je l'ai jamais testé, enfin je l'ai jamais essayé, donc là je l'essaye avec vous. Voilà. C'est une première pour ce petit mode summer. Et pour l'instant il est très très concluant. Et écoutez moi je le trouve
très très sympa, honnêtement, ce petit mode summer, je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est pour avoir un temps estival, même si là on se rapproche plus de l'automne qu'autre chose. Nous on doit continuer tout droit, c'est ça, on est toujours sur la A71. Hop, on va remettre notre petit régulateur à 90. Pourquoi il ralentit si il me dit que c'est limité à 70? J'ai vu aucun panneau, moi. J'ai vu aucun panneau. Alors, faudra peut-être que j'essaie de trouver un petit mode aussi pour qu'il y ait un peu plus de trafic. Voilà, puisque c'est un peu ce qui manque à ETS2, vraiment. Par rapport à Fernbus, hein, je compare un petit peu à Fernbus. Et c'est vrai que Fernbus, c'est beaucoup plus plaisant de rouler sur les autoroutes et tout, parce que justement, il y a du trafic, etc. Donc, je vais voir s'il n'y a pas un petit mode pour compatible 1.25, hein, bien sûr, pour augmenter légèrement le trafic. Bon, là, d'un côté, il est 23h, donc bon, c'est plutôt réaliste. Mais bon, je vais chercher ça un petit peu de mon côté. Allez, Limoges-Toulouse, bah nous c'est là qu'on prend. C'est là qu'on prend sur la A20. Oui, A20, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Hop. Alors là, on passe vraiment par le centre de la France. Hein, donc, si on passe par Limoges, on devrait peut-être passer. Attention que je vous dise pas de bêtises. Par Brive-la-Gaillarde. Alors, je sais pas du tout si la ville a été mappée ou autre. Oh, regardez ça. Péage automatique, ah, c'est cool ça. J'ai jamais vu ça. Putain, ils ont vraiment fait un bon taf, hein, les créateurs de la promo mode. Allez. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop. Merci. Allez. Hop. Allez. Est-ce que ça va être possible? De s'insérer, ça devrait pouvoir être possible. Pouvoir être possible. C'est une nouvelle phrase. Allez, hop, tout droit. Hop! Et bah, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Ah oui, il me limite à 50 ici. Ah, là, j'ai vu un panneau 110. Okay. Étrange. Étrange, étrange. Nous, on roule en tout cas. Hein. On roule, on roule. Tranquillement, tranquillement. Parce que bon, on a quand même des fleurs à livrer. Et on est attendu entre quand et quand d'ailleurs? Ouais, voilà, faut les livrer demain matin quoi. Donc là, on est le soir même, faut les livrer, voilà. Demain matin entre 5h et 7h. Et le GPS, il nous dit qu'on arrivera vers 7h. Voilà. Donc bon. C'est très bien, c'est très bien. Hop. Alors en tout cas, c'est cool. J'ai l'impression que sur le tableau de bord là qu'on a actuellement. On voit bien les compteurs et tout, parce que je trouve que sur les autres tableaux de bord, mettons sur le Volvo, eh bien on voit pas très bien les chiffres. Et là, on les voit bien, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Ah, on a des collègues routiers devant nous, un peu de monde derrière aussi. Alors j'avais vu un petit mode qui avait l'air sympa aussi au niveau du trafic, qui rendrait le trafic un petit peu plus agressif, qui faisait parfois des petites fautes, lignes blanches, etc. Bon, pourquoi pas essayer de rechoper ce mode. Oh, petite Mégane RS. Sympa, sympa. C'est sympa. Alors, on a encore une bifurcation. Mais nous, on reste sur notre autoroute. On doit être au niveau de Poitiers, d'accord. On est au niveau de Poitiers, là? Non, enfin si, on est au niveau de Poitiers, mais par la nationale. Hop. Et on va doubler le collègue. Ah, en effet, il limite toutes ces zones à 70. Enfin, en tout cas, c'est marqué comme ça sur mon GPS. Et là aussi, ça repasse à 130. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas vu les panneaux. Hein. Faudra que je fasse attention à la prochaine bifurcation pour voir s'il y a un petit panneau qui me dit comme quoi la vitesse est modifiée. Parce que j'ai pas vu de panneau. Je vais faire attention, écoutez, pour la prochaine intersection, du moins prochaine bifurcation, puisqu'on est sur l'autoroute quand même. Hein. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Il y a un peu de monde quand même hein, pour minuit. On va dire que c'est les départs en vacances. Hein. Le départ en vacances après les vacances, écoutez. Voilà, c'est les départs pour la rentrée. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, rentrée qui est un petit peu passée quand même, donc bon.
On va dire qu'il y a du monde, voilà. Il y a du monde tout court, hein. On va pas chercher d'arguments. Petit Touareg. Écoutez, on est toujours sur l'A20. C'est très bien, c'est très bien. Et quelle heure, là? Il est minuit 35 passé. Hop. On va très bien. Très bien, très bien. Ça se fait tranquillement. Écoutez, petit tandem en face. Il est sympa, son tandem. Bien éclairé en tout cas. Donc j'ai quasiment tous les packs de Jazzy Cat sauf le pack militaire et le pack des trains au niveau des remorques. Voilà, j'ai ensuite le mode donc comment on appelle ça, Real Company Mode, donc entreprise réelle plus station service réelle, donc ça c'est fait par Satan. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le mode Summer comme je vous ai montré, et puis si... et puis j'ai la promode. Voilà, voilà. Et puis il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout, il me semble que c'est tout. Alors, on a encore une autre bifurcation. Est-ce qu'on a une petite limitation de vitesse? Non, je ne vois rien. Je ne vois rien, mais là, d'un autre côté, ça ralentit pas. Mon GPS, il est toujours à 90. Donc bon, peut-être que ça le fait pas pour cette bifurcation. C'est vraiment marrant quand même, tout ça. Vraiment marrant. Là, je suis très attentif au panneau, écoutez. Oula, bah c'est clair bien tout ça. C'est clair bien. Oh, les petites fleurs qu'il y a sur le bord de l'autoroute. Bah dis donc, s'il y avait ça en France, des petites fleurs et tout. Enfin, des petites fleurs, des arbres en fleurs même. Hein. Regardez ça, c'est vraiment super. Enfin, là, il y en a pas, mais c'est vraiment super joli, les petites fleurs roses et rouges. Ah, fais attention à ce virage qui est un peu tordu. Hop. Parfait, bah écoutez, on roule très très bien. On roule très très bien. Notre petit DAF. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors on restera pas tout le temps avec ce DAF. Là je pense qu'on arrivera à Toulouse et puis ensuite je changerai de camion puisque j'aimerais bien avoir un petit camion modé. Là on est avec le camion de base hein, du jeu. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu les modifications qu'ils avaient faites. Donc c'est vraiment des détails hein, au final. C'est au niveau des feux, il me semble, etc. Allez, on est au niveau de Limoges. Très bien. Je sais pas du tout si on va vraiment passer Brive-la-Gaillarde ou pas du tout. À vrai dire, j'en sais rien. Il me semble que c'est après Limoges-Brive encore. Je suis même pas sûr. Ah, on arrive dans une zone éclairée. Alors, regardons le petit panneau, écoutez. Regardons les panneaux, là, 90. Ah, là, à mon avis, peut-être nous faire ralentir. 110, non, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'avais un peu ralenti puis pour le tournant. Hop. Non, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, il nous dit toujours 110, mais bon, ça c'est pour les voitures. Nous, dans tous les cas, on est bloqué à 90. Oh, un petit Cetra en face, il me semble. D'ailleurs, en parlant de Cetra, il y a un nouveau Cetra qui est sorti sur Home 6, c'est le S313. Alors, déjà, il y avait... Si, on avait pris un Cetra sur Spitterberg pour faire la ligne 300, c'était le Cetra S319. Depuis, le créateur avait sorti un S317. C'est une version 14 mètres, il me semble, alors que le S319 fait 15 mètres. Donc voilà. Et là, il y a une nouvelle version qui est sortie, donc le S313, qui lui est une version 11 mètres et qui n'est pas en double essieu. Donc bon, voilà. Pourquoi pas le tester? Faudrait que je trouve ça. Peut-être le tester sur ses grands, on va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. Hop. Et alors, le GPS, il nous dit quelle heure? Oh, il nous dit 3h30, bah dis donc. Pourtant, on roule pas bien vite, hein. On est à 90. Il a pris large notre GPS. Donc bon, on arrivera en avance, c'est cool. On arrivera à l'aube, même avant l'aube. Écoutez, 3h, c'est quand même assez tôt. Oh, c'est beau, ça. Les petits panneaux et tout. Pour annoncer le virage. Petit panneau clignotant, c'est sympa. Ah, là, il nous dit 110. Alors, on est sur un viaduc chelou. D'accord, très bien. Oui, c'est serré ici, par contre. Hein. C'est serré, c'est serré. C'est quoi? C'est la blanc... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. La blanche ou je sais pas trop quoi. Donc, j'utilise mon zoom, tiens, d'ailleurs. Parce que ça, c'est... C'est utile. Enfin, de toute façon, autant l'utiliser. Hein. Ça m'aidera à lire les panneaux. Ah, alors attention, prochaine intersection, qu'est-ce qu'il nous dit lui? 1030, très bien.
Bah non, on continue, sinon on peut bifurquer sur l'A89. Direction de Lyon, écoutez. Oula, oula, par contre j'étais à 100 km/h, là je suis un peu enflammé. Passé sur la voie de gauche au dernier moment, j'avais pas fait gaffe. Pourtant j'avais bien vu le panneau, hein. On va mettre notre petit régulateur, comme ça on sera tranquille. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? A89 Bordeaux-Bayonne, donc ça c'est pour aller dans l'autre direction, et nous Toulouse. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Autoroute 89 d'ailleurs récemment construite. Je sais pas, ça fait un ou deux ans qu'elle est en service. Je sais plus. Je sais plus, voire même peut-être plus. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Hop. Bon, on n'a pas revu nos petits panneaux de limitation. Pourquoi ça bloquait à 70? Bon, je sais pas. Là, ça le fait plus aux intersections, donc bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop. Là, on a notre petite fleur sur la droite. Petite fleur rose. Oh bah y a plus personne là. Y a plus personne. Oh, les petits panneaux, un trait danger et tout pour les limitations de. Enfin les distances de sécurité, pardon. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Toulouse, Perpignan, péage. Ok. De toute façon, faut bien les payer, hein, ces gens qui entretiennent les autoroutes. Il est quelle heure là? Il est 2h36, bah on arrive dans 1 heure, non? 2h36. Ah non! Autant pour moi, je vous ai dit on arrive à 3h et tout. Non, non, mais en fait, je regardais le temps qui nous restait. Non, on arrive à 5h. Toujours. Autant pour moi. Mais peut-être que la fois d'avant, alors j'ai regardé aussi ce temps-là. Oh, je sais pas, j'ai dit des conneries. Ça a pas changé d'habitude, hein. Allez, on va mettre notre petit ralentisseur hydraulique. Hop, tranquillou. Bah tiens, on a des collègues devant. Des collègues, oh, elle a l'air sympa sa remorque à lui aussi. Oh, avec tous les feux qu'il y a à l'arrière. On a limite trop quand même. Wow. C'est une entreprise luxembourgeoise. Ce serait vraiment bien qu'il fasse un télépéage dans le TS2. Il y en a déjà sur le DLC Scandinavie, mais ce serait bien que ça vraiment ça se généralise sur le reste de la map. Souillac, très bien, Souillac. Hop, bon bah on roule bien en tout cas. On roule bien, on aura le temps de finir cette petite mission, je pense, dans cette vidéo. Hop, alors j'aimerais juste voir où est-ce qu'on est au niveau de la carte. Ah. Voilà, petite affiche de la carte. Waouh. Ok, donc Toulouse est là. Donc ouais, non, Brive, en fait, c'est plus par là. Donc on a dû passer Brive, il y a peut-être un panneau, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais Brive, c'est par là. Ok. Bon, parfait. Parfait, parfait, on avance bien. Écoutez, on avance bien. Hop, encore un petit viaduc. Prendre une petite photo. Allez, faut qu'il me double celui derrière pour que je double le camion qui est devant. Hop. Parfait. Oh, je sais même pas si je vais réussir à le rattraper. Je ne sais même pas si je vais réussir à le rattraper. Hop. Et peut-être prendre la sortie. Ouais, nice, il prend la sortie. C'est parfait tout ça, avec son petit Renault Magnum. Hop, nickel. Oula, je roule un peu au milieu, c'est bon. Allez, un autre petit tunnel. On arrive à peu près dans 1 heure, 1h15. Donc bon, d'ici une petite dizaine de minutes, je pense. Ah bah, il y a encore du trafic hein, à cette heure-ci. Il y a encore du trafic. Qu'est-ce que c'est que ce panneau? Figeac, d'accord.
doit être des petits villages aux alentours. Acier. Cahors. Cahors, ça me dit quelque chose, ça, Cahors. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Viaduc du. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Il y a une remorque tramerie devant. Ah oui, là c'est un petit souci, j'ai l'impression, au niveau des remorques. On va laisser passer. J'ai l'impression qu'il y a certaines remorques qui n'ont pas été remplacées. Donc bon, il va falloir que je vois ça aussi. Parce que avec la pro mode, il y a aussi un pack de remorques. Écoutez, et il y en a un aussi avec le mode de Satan. Donc bon, faut que je vois un petit peu comment combiner tout ça. Hop. Mais sinon, je vais déjà tenter de mettre le pack de Jessica en premier dans la fenêtre des gestions de mode, des priorités. Ça réglera peut-être le souci. Et petit feu de route. Ah, je crois qu'il y a une voiture, non, c'est bon. Ah, par contre, on a un car. Alors, est-ce qu'on voit Toulouse sur notre GPS? Oui, on voit Toulouse. Alors, on livre où, nous? On livre chez Norbert. Chez Norbert, chez Norbert. Oula, je suis sur F4, autant pour moi. On livre chez Norbert. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, je me souviens plus. Ça s'appelle comment maintenant? Parce que ça a été racheté par une entreprise américaine, bon, je pense que vous devez tous le savoir. C'est Expo, Expo Logistique, ça y est, le nom m'est revenu. Hop. Allez. Hop. Petit angle mort. Montauban. Très bien. Très bien, très bien. Petit régulateur de vitesse. La Tarta. Moi j'ai lu ça. Après ça se trouve c'est pas du tout ça, mais moi j'ai lu la Tarta. On n'arrive pas très bien à lire les panneaux quand même, hein. Même avec ce petit zoom, ça défile un peu vite. Alors là, ah si, il est là le panneau 70. Il est là le panneau 70. Ça y est, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Toulouse, Bordeaux, très bien. Non, moi je vais en direction de Toulouse. De Toulouse, c'est bon, j'ai vu le panneau. Donc, en fait, il y avait bien un panneau 70, c'est juste que vu que je roulais à 90 tout le temps, bah je l'ai eu. J'ai pas eu le temps de le voir. Ah, là, c'est bon, 90. Super, on est sur une petite route départementale nationale, j'en sais rien. Petite route de Cambrousse pour ensuite rejoindre Toulouse. Écoutez. On se remet à 90, nickel. Hop, alors on dit qu'on a 510 chevaux. J'allais dire 70 chevaux, non, on a 510 chevaux. Avec notre petit DAF XF105. On va ralentir. Hop. Oula, il a dit à 50 ce virage-là, bah dis donc. Allez, on arrive un petit peu dans les environs de Toulouse. Hop, voilà, on a un gros panneau de direction Toulouse, là on peut pas le rater celui-là. Allez. On est reparti. Donc nous on livre chez Norbert. On livre chez Norbert. En tout cas, elle est bien cool la petite remorque, j'avais jamais vu celle-là. Je la trouve bien sympa. Je la trouve bien sympa. Sur la droite, ce serait mieux. Allez, Toulouse, 70, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Là, 70 ici, bah dis donc qu'ils ont pas peur des accidents. Hop. Ok. Ah mais c'est limité à 70 partout dans Toulouse. Non. Ah non, ça y est. À 50 là. Je me disais aussi, c'était étrange. Allez, Norbert, ça doit être sur notre droite. Juste là. Parfait. Oh bah, dis donc. Ah, merci. Merci, merci. Hop. Allez. Garons-nous, garons-nous.
un petit peu. Parfait. Alors, attention, attention. J'espère que j'ai pas perdu la main. Ah, c'est pas mal aussi le zoom, ça, pour regarder dans ces rétros. Ça aussi, c'est cool, ça. Hop. Ah, c'est sympa, ça. Le petit zoom est vachement cool, hein. Le petit zoom est vachement cool. Allez, hop. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah voilà, écoutez, excellent. Mais c'est nickel, tout ça, c'est nickel. Hop. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur ETS2 vous aura plu. On va juste se diriger en direction du garage de Toulouse pour l'acheter. Voilà, toujours un petit temps pour afficher la carte. Le petit garage qui est d'ailleurs à l'opposé de là où on est. Allez, hop, on passe. Prochaine à gauche, au feu. Ah, elles sont sympas ces petites remorques, la tandem. C'est cool, c'est cool. Il a un petit Scania d'ailleurs, je pense. Ah, il a un petit Scania qui est sympathique lui aussi. Il faudra vraiment que j'enregistre avec Shadowplay pour la prochaine fois, parce que là on est à 25 fps, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Hop. Allez, 70, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Hop. Parfait. Alors, Montpellier, Perpignan, non merci. Il roule à combien devant là? Il roule à combien avec sa Mégane? Non mais, on va le rattraper. On va essayer. Oh là, Valdaf, il ronronne bien. Il ronronne bien. Le petit 130 en DAF, on va se calmer par contre. On va se calmer, on va se calmer. Ouh. Ouh. Petit lag. Allez, parfait. Parfait, parfait, on est reparti. Et on va aller acheter ce garage. Blagnac, zone industrielle. Est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout. Oh punaise, mais ça lag ici, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Vraiment, que je change ça. On est à Blagnac, au niveau de l'aéroport. Hop. On est à Blagnac, on est à Blagnac. Ah bah ça lag bien. Ça lag bien comme il faut, écoutez. Pour la peine, on va se mettre en petite vue extérieure. Voilà, voilà. Par contre, où est-ce qu'on va là? Hop. On fait demi-tour. Ok. Petite L d'avion. Hein. De toute façon, pour ceux qui le savent pas, il y a une grosse, grosse zone industrielle justement à Toulouse-Blagnac qui construisent des avions. Mais bon, je pense que vous le savez. Oui, d'accord, bah je suis un bel abruti. Alors, chose qu'il ne faut jamais faire, bien sûr, hein. Dans la réalité, on va dire que c'est assez dangereux de faire ça quand même. Aïe. Et puis comme ça, je te défonce le panneau. je suis doué. Bonjour, je me suis trompé de chemin. Excusez-moi. Je vais retourner chez moi. Hop. Aïe, oula, il y a un petit creux là. Il y avait un petit creux. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mal placé le GPS. J'aurais sans doute compris. Voilà, moi c'est là que je vais. Bon, là j'y vais un peu en mode YOLO. Hein. J'avoue, j'avoue. Petite entreprise Globeur. Globeur. Oh, c'est sympa ça, le petit truc au centre qu'ils ont mis. C'est vachement sympa par ici. Allez hop. On va acheter le petit garage. Hop. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo sur ETS2 vous aura plu. Moi je me suis bien amusé avec ce petit DAF XF105. J'espère que ça vous aura plu une fois de plus. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
show on, get on.